Ah, Bruxelles, son atomium, ses cathédrales, ses beaux paysages. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on aimerait tous voir quand on va à Bruxelles. C'est ce qu'on aimerait tous découvrir. Eh bien, j'ai passé une semaine entière à Bruxelles. Et vous savez ce que j'ai fait? Rien de tout ça. Wesh, comme t'as balancé la peau de banane sur la voiture sans aucun respect là. Trop de fraîcheur quoi. Salut. Alors cette semaine je suis en vacances et du coup on est venu à Bruxelles avec mon chéri parce qu'il fait la deuxième partie de sa formation de coach sportif. Donc voilà, j'ai décidé de l'accompagner parce que en vrai j'avais besoin de vacances aussi hein. Qu'on se le dise. Donc lui en fait toute la journée de 9h à 17h il est à sa formation et moi ben je zone dans notre petit Airbnb loft qui est vraiment pas mal hein. Je vais vous faire un petit loft tour, super dur à prononcer, loft tour, on va dire ça comme ça. Baignoire, je crois que je vais la saigner toute la semaine. Mais c'est trop beau. En plus, elle est vraiment profonde. Oui, nous avons un gong et j'ai trop envie de faire. Je m'attendais pas à ce que ça fasse le bruit pour de vrai. Ce loft, comme ils appellent ça, est vraiment magnifique. Je recommande, enfin je recommande à qui, je ne sais pas qui voudrait venir à Berchem cette Agathe quand il est de passage à Bruxelles. Mais donc, pendant que mon copain est en train de faire sa formation, qu'est-ce que je fous moi toute seule dans cet appart toute la journée? Je vais vraiment profiter pour travailler, travailler pour Instagram, pour YouTube maintenant, hein, parce que j'ai décidé de mettre mes vidéos sur YouTube plutôt qu'en IGTV. C'est genre mes vacances, mais je suis trop excitée à l'idée de travailler sur les trucs que je kiffe faire. Dis chérie. Tu l'as eu? T'as rigolé? Non, tu l'as pas eu. Non, ça a pas marché. Dis chérie. C'est quoi? Genre, il y a un autre Siri dans la pièce. Genre, c'est mon ordi qui a parlé, tu crois? Ah bon, c'est lui. C'est vrai? Ouais. Bon, la journée peut commencer. Oh yeah. Voilà, dès 6h30, c'est parti pour l'étude pour Kostia. Vraiment un gars déterminé dans sa life. Et il m'a réveillée, donc j'étais debout à 7h. Mais j'aimerais bien faire des TikTok aujourd'hui. J'aimerais bien faire le TikTok de WAP. T'en penses quoi?
soir là. Et du coup aujourd'hui j'ai filmé 2 vidéos YouTube. Donc j'étais plutôt productive. J'ai même filmé plusieurs TikTok. Enfin qui vont être des TikTok. Il faut que je monte ça. Je ne sais pas comment monter des TikTok. Comment faire les trucs. Donc mes parents sont venus me voir à Bruxelles avec mon frère et ma belle-sœur. Et ma nouvelle femme. Et un cher et tendre ami de la famille. Et c'est party là. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Au final, c'est certain, ce n'était pas une semaine de rêve. Ce n'était pas une semaine au soleil, sur du sable fin. Ce n'était pas une semaine de vacances comme on l'entend généralement. Mais c'était une semaine parfaite pour moi. Une semaine où j'ai pu travailler sur ce que j'aime, où mon copain a pu travailler pour ce qu'il aime. Et au final, on a réussi à mettre du fun dans notre travail. Parce que si on doit attendre les vacances, les vraies, pour s'amuser, pour rigoler, pour déconner, alors ça n'en vaut pas tellement la peine.